tu pourrais gagner du temps et sauver ton parcours universitaire si tu consacres simplement quelques secondes pour écouter ce que j'ai à partager avec toi. Étudiants africains dans la zone CEDEAO, nous avons reçu certaines informations concernant les faux diplômes de l'enseignement supérieur dans l'espace CEDEAO, notamment une vidéo qui parlait du cas du Togo. J'ai toujours dit, si vous voulez continuer vos études dans le cadre de l'enseignement supérieur en Afrique, vous devez faire le choix judicieux des formations que vous ferez dans les écoles d'enseignement privées. Vous devez choisir des filières qui sont reconnues par le CAMES. Et ça, c'est très simple. J'ai une vidéo qui vous explique clairement comment pouvoir trouver votre formation qui est reconnue par le CAMES. C'est la seule institution qui vous donne le pouvoir à votre diplôme lorsque vous êtes sur le continent africain. C'est quelque chose d'ailleurs que vous ne devez pas du tout négliger. C'est très important. Sinon, vous risquez de perdre votre temps dans un cursus qui ne va pas vous rapporter gros et vous allez dépenser énormément d'argent dans les écoles privées pour rien. Ah oui, la vidéo, elle est sur mon compte et allez la suivre à la lettre pour comprendre.